Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit low cost. Donc c'est un téléphone qui coûte entre 70 et 80 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai des liens d'achat en dessous de la vidéo si vous voulez l'acheter, l'acquérir. Et autant éclairer le mystère de suite, ce téléphone-là est un très bon low cost. Bon, je vais pas le refaire parce que je l'ai fait il y a même pas un mois, mais il pourrait être dans le guide d'achat. Peut-être pas dans les trois premiers, mais en quatrième place, c'est un très bon low cost et ça, vous allez le voir tout de suite tout au long de cette vidéo. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ben, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, Tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on passe au design du téléphone, un design goutte d'eau, hein, donc plutôt sympa, avec un menton quand même assez épais. Après on est sur du low cost, donc c'est vraiment pas la priorité le design sur un téléphone low cost. Vous pouvez voir dans le guide d'achat, dans les trois téléphones, c'est pas le design qui compte que j'ai choisi, c'est plutôt l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, la réactivité du téléphone, la partie photo un petit peu, même si c'est pas non plus la priorité d'un téléphone à ce prix-là. Donc on aura des bordures assez grosses, on aura le gros menton, la goutte d'eau. De toute façon, on va faire le tour de propriétaire. Donc, dimension 73,3 de large sur 155,6 de haut sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 178 grammes. Ce qui fait un téléphone qui n'est pas trop lourd, mais pas des plus légers non plus. Mais il est franchement très bonne prise en main. Il existe en trois couleurs, en noir, en vert et en violet. Il est fait tout en plastique, bien sûr. On a un écran de type IPS à l'avant en 6,09 pouces avec une définition 1280 x 600. Ce n'est même pas la HD. On ne peut pas tout avoir non plus, on peut faire des concessions quelque part. La surface totale de l'écran prend par rapport à la surface totale du téléphone 80,83%. Et il est protégé en plus du film qu'il y a d'origine dessus par un verre Dragon Trail. C'est un verre anti-rayure, anti-chuc, un verre résistant. C'est le concurrent du Gorilla Glass. Au-dessus, on aura un appareil photo de 8 mégapixels. Alors, c'est ça, je ne me trompe pas, 8 mégapixels associés à une reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui marche plutôt correctement, on va le voir de suite. Ouais, non, oui, ça a l'air de marcher. Hop, donc c'est pas des plus rapides, mais elle marche plutôt correctement. En dessous, on aura le petit port de rechargement avec le haut-parleur. Sur le côté gauche, les boutons power, volume plus moins. Au-dessus, monsieur Jack est là. Et sur le côté droit, on n'a rien parce que c'est une coque amovible. Alors, coque amovible. Alors, pour ceux qui ont vu déjà, j'ai fait le déballage. Coque amovible, mais batterie scellée. Voilà, donc la batterie scellée, à mon avis, vous pouvez la déceller facilement. Elle peut être changée, je pense, assez facilement, c'est plutôt sympa. On a deux nano SIM et un emplacement carte SD. On va remettre ça de suite. Voilà, il est bien fermé. À l'arrière, on aura un capteur d'empreinte qui, vous allez voir, marche plutôt correctement. Alors, pas des plus rapides, encore une fois, comme la reconnaissance faciale. Ah, là, il n'a pas envie de marcher. Alors, j'ai fait deux fois mon empreinte. Pour que ça soit plus rapide. Non, ça va. Une fois qu'on a pris un peu le coup, ça marche plutôt bien. À l'arrière, on aura un double appareil photo, donc un 8 mégas ouverture 2.8. C'est pas exceptionnel, bien sûr. Hein. L'ouverture, elle est vraiment énorme. Et associé à un deuxième appareil photo qui sera un 2 mégapixels avec un flash LED. Le tout est animé par le processeur MediaTek Helio A22 associé à un Power VR pour la partie graphique. Il n'existe qu'un seul modèle en 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Le Bluetooth 4.2, donc pas de 5.0 dessus. Il n'y a pas de LED de notification. Il tourne sous, on va aller voir de suite, mais c'est Android 9. Je vais quand même vous montrer. Option avancée à propos du téléphone. On est bien sur du
Android version 9. Voilà, Android 9, là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et pour les bandes 4G, pas de B20, pas des B28, donc le reste, ils y sont, et c'est de la 4G de catégorie 4. On passe brièvement à l'écran. Donc, un écran, je vous l'ai dit, 6,09 pouces, définition 1180 x 600. Et la surface que prend la surface totale du téléphone, c'est 80,83%. Il est protégé par un film, et en plus de ça, il est protégé, traité Dragon Trail. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, niveau activité. Rien à dire. C'est très rare à ce niveau de prix qu'on arrive à un téléphone qui soit utilisable franchement à 100% et agréable à l'utiliser. Il y en a quelques-uns, il y a quelques élus, mais pas tous. La plupart du temps, on va dire 70% du temps, il y a toujours un petit souci de latence, de réactivité au moment d'écriture des messages surtout, c'est un peu agaçant. Là, ce modèle-là, pas de problème. Il est super agréable à utiliser, il est fluide en tout temps et là, il n'y a pas de problème. On va passer maintenant à la partie logicielle. On va commencer par les capteurs du téléphone. Alors, les capteurs du téléphone, hop. On aura l'accéléromètre, le capteur de lumière qui marche très bien avec le capteur de proximité, le podomètre, il n'y a pas. Donc, il n'y a que ça comme capteur pour le prix non plus. On ne va pas demander exceptionnellement. Niveau interface, ben, pas de Google No dessus. C'est une petite sur-c'est Google No un peu retravaillé. On aura ce fameux volet de notification sur le côté gauche avec par rapport à ce que vous regardez un peu sur Internet. Et en fait, toutes les icônes se retrouveront non pas dans un tiroir d'application, mais directement sur l'interface, un peu comme iPhone. Donc c'est fluide, c'est bien optimisé. J'ai pas ressenti vraiment de ralentissement. Tout tourne en harmonie et ça c'est plutôt pas mal. Et franchement c'est un peu le plus de ce téléphone. Franchement pour le prix, c'est fluide et ça réagit très bien. Et c'est un peu ce qu'on demande. On n'en demande pas plus. On va passer directement à la partie photo. Non, ben, on va passer à la partie photo. On va regarder déjà les captures d'écran. Je vais aller trop vite que la musique. Les captures d'écran, donc, dès que j'ai allumé, j'avais une petite mise à jour. Bon, tout en chinois, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y avait. Le AnTuTu 64674. Après, 5 touches, c'est pour le multitouche, ça je l'ai dit tout à l'heure, je pense. Température 34 degrés, ce qui est plutôt une chauffe plutôt correcte. 5005 pour le PC Mark. Les Geekbench 2701. Il n'y en a qu'un Geekbench qui a marché, c'est le Geekbench batterie, donc 2501. Il n'est pas infecté par de malware, ça c'est plutôt pas mal, surtout avec ce qui se passe en ce moment. L3, certifié L3, en gros vous n'aurez pas de HD sur les applications de streaming, que ce soit MyCanal, Netflix, Amazon et tout, mais ça, ce n'est pas grave, de toute façon que la résolution n'est pas en HD. On aura les appels Wi-Fi, ça c'est bien, il y en a qui recherchent ça, et le mode 4G LTE pour aller avoir les appels, la Volt, pour avoir les appels plus rapides. En 4G et meilleure qualité et un résultat exceptionnel parce que c'est la première fois que j'ai ça. J'ai eu un GPS test à 1 mètre de marge, 27 satellites fixés sur 36. Ça, c'est raisonnablement haut de gamme. Généralement, les bas de gamme comme lui, j'ai pas énormément de satellites fixés. Là, 27, c'est plutôt exceptionnel. Et enfin, la batterie, une batterie que j'ai pas précisé combien, une batterie de 3200 mAh. Et qui fait, ma foi, plutôt bien son travail. Comme quoi, ce Helio A22 que je connaissais pas, il a l'air d'être assez énergivore. Non, énergivore, économique, on va dire. Donc, parce que là, d'habitude, j'étais habitué avec MediaTek à avoir des grosses batteries, mais des petites autonomies. Et là, avec ce Helio A22, on arrive à 57% utilisé seulement en 14 heures, avec 2h50 sur le téléphone. Une minute d'appel. Non, je suis resté. Ah, j'ai beaucoup appelé avec Messenger, ça compte pas là-dedans. Donc du coup, ouais, non, ça compte pas. Donc 2h50 écran allumé et 1 minute d'appel et 57% utilisé. C'est vraiment pas beaucoup. C'est un téléphone qui pourrait vous faire les 2 jours. Si j'aurais pu faire les 2 jours si je continue comme ça, peut-être qu'il serait éteint un peu avant. Un peu avant les 2 jours. Allez, 1 jour 75, on va dire. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe à la partie jeu. Donc vous avez goûté bien, j'ai pas voulu tenter PUBG. J'aurais peut-être dû, mais j'ai voulu vous montrer Dead Trigger 2, qui est un jeu qui est quand même assez vraiment joli pour un téléphone et qui tourne sur presque toutes les configs. Voilà. J'ai rarement vu un jeu qui ne tournait, enfin, un téléphone qui ne faisait pas tourner ce jeu. Graphiquement, c'est joli, c'est beau. Au niveau d'un peu ce que peut faire la PS3, peut-être. Donc, c'est plutôt fluide, il n'y a pas de ralentissement. Les graphismes sont plutôt fins. On est sur un petit téléphone, petit budget. Niveau du tactile, ça réagit plutôt pas mal. Ah, peut-être des micro-lags par moment. Bon, là, j'ai mis en tir automatique, hein, c'est plus simple.
Donc voilà, franchement, vraiment, vraiment bien jouable. Et le tactile est de bonne qualité. On arrive bien à pouvoir viser les zombies. Voilà. Donc pas de souci là-dessus pour faire tourner des jeux qui ne sont pas très gourmands. Mais ce genre de jeu-là, vous avez vu, les effets de lumière et tout, c'est plutôt joli. Donc voilà, allez, on passe directement à la partie son. La suite, c'est logiciel photo. Donc, on va voir un peu les menus. Donc, mono, vidéo. Donc, mono, c'est noir et blanc. Vidéo. Alors, vidéo, on peut filmer jusqu'en qualité vidéo. Voilà, Full HD maximum. On a photo, mode beauty, mode bokeh et mode pro. Allez, on va de suite. On retourne dans l'appareil photo. On va de suite maintenant passer aux photos que j'ai prises. On reviendra après avec la caméra frontale, comme à chaque fois. Allez, on revient en direct avec la caméra frontale. Donc, vous aurez compris, déjà, c'est pas très très fluide la caméra frontale. Vous aurez compris, bon, niveau photo, c'est pas vraiment l'intérêt de ce téléphone. Ce sera vraiment du dépannage pur. Il arrive à faire des photos plutôt convenables, exploitables, hein, en pleine journée, de nuit. J'ai effectivement tenté le coup, mais c'est bon, vous avez compris. Et dans la salle de bain, le flash. On voit un peu le halo lumineux du flash. Il y a pire et il y a mieux. Voilà, on aurait pu avoir un peu mieux. Mais on va pas se plaindre. Voilà, parce que c'est encore un rapport prix qu'on teste. Et que je pense que la partie photo, c'est pas la priorité de ce genre de téléphone. Donc déjà, le son communication, il est bon. On vous entend bien et on entend bien, tout simplement. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On va passer directement au haut-parleur. Moi, j'ai envie de dire dans la moyenne, hein, tant que c'est pas grisonnant, que ça grésille pas à pleine puissance, ou que le son est un peu étouffé, non, là-dessus, voilà, rien à dire dessus, c'est pas exceptionnel, c'est pas pourri, c'est dans la moyenne de ce genre de prix. Donc, eh ben voilà, le test de ce Oukitel C15 Pro est terminé. Donc pour moi, c'est un bon achat, un bon achat si vous cherchez un premier prix. Il est plutôt agréable à utiliser là-dessus. Niveau photo, ça fera le taf comme un téléphone à 70 euros, même si c'est sûr que, voilà, pour être honnête, il y a des téléphones. Si vous pouvez voir mon guide d'achat, il y aura des téléphones qui arrivent à s'en sortir un peu mieux en photo et qui ne sont pas trop non plus très chers comme lui. Donc, du coup, c'est pour ça. Il ne fait pas partie du guide d'achat, mais c'est un téléphone qui est agréable à utiliser si la photo pour vous n'est pas votre priorité. Allez, ciao, ciao, on se rejoint pour une prochaine vidéo.